Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du dimanche 22 août 2021. Nous débutons en Centrafrique. Raoul Savoy aime la Centrafrique. Le technicien hispano-suisse est arrivé à Bangui pour prendre en charge les fauves. Ce sera la troisième fois que l'ancien sélectionneur de la Gambie va se retrouver sur le banc de cette équipe nationale. Une première fois entre 2014 et 2015, puis une seconde en 2017-2019 avec des résultats probants, progression significative au classement FIFA et invincibilité à domicile. Savoy remplace l'Ivoirien François Zaoui. Il part donc pour un nouveau défi, celui d'aider le pays à se qualifier enfin pour une très grande compétition, soit la Coupe du Monde 2022 au Qatar, soit la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et nous filons au Cameroun. Bonne nouvelle pour les joueuses du championnat de première division de football du Cameroun. Le sponsor du tournoi, l'entreprise Barskol Guinness Cameroun SA, a décidé de doubler les primes mensuelles de ces dernières. Celles-ci vont passer de 25 000 francs à 50 000 francs à partir de la prochaine saison. La décision a été prise il y a quelques jours au cours d'une réunion avec les dirigeants de la FECAFOOT et de la Ligue de football féminin du Cameroun. Selon le sponsor, la revalorisation des primes des joueuses de la Guinness Super League vise à relever le niveau du championnat et alléger les charges des dirigeants de club. Un pas auprès des Africains de Liverpool, la paire Matthew Van Dijk, qui a tellement manqué aux Reds, montre sa solidité sur quelques actions de Burnley, et c'est finalement Sadio Mané sur un merveilleux service de Trent Alexander-Arnold qui met Liverpool à l'abri. Liverpool réalise le début de saison parfait avec deux victoires en deux matchs et au combien encaissé et profite aussi du retour de Joe Gomez qui est entré en jeu ce samedi soir. De quoi aborder sereinement le choc face à Chelsea la semaine prochaine. Ces Africains sont également très brillants et nous filons en Angleterre. Les autorités sanitaires britanniques ont dévoilé les résultats d'une étude sur les contaminations observées lors de la finale de l'Euro le 11 juillet passé. Conclusion, ce match remporté sur le terrain par l'Italie a été perdu contre le virus en tribune. Selon les chiffres de Public Health England, près de 6 000 personnes sur les 77 000 spectateurs présents dans l'enceinte londonienne étaient déjà infectés avant d'y assister ou l'ont été pendant. Ce n'est pas tout. La même étude révèle que 9 000 cas de Covid-19 ont été observés lors de l'ensemble des 8 matchs disputés à Wembley. Un pas auprès de Harry Kane. Il va peut-être disputer ses premières minutes avec Tottenham ce week-end face à Wolverhampton. En effet, selon plusieurs médias britanniques, l'attaquant sera dans le groupe de Nuno Espirito Santo ce dimanche. Bien que Manchester City souhaite toujours le faire venir, le temps presse pour le champion d'Angleterre, d'autant que Tottenham ne cédera pas son buteur au rabais. Nous terminerons en Italie. Ici, Massimiliano Allegri a tranché pour CR7. L'entraîneur d'expérience va pouvoir aligner un joli trio, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, dès dimanche contre l'Udinese. CR7 va bien débuter sa quatrième saison avec les Bianconeri malgré de nouvelles rumeurs de départ lancées dans la semaine. La Repubblica a affirmé que le quintuple ballon d'or avait une relation glaciale avec le successeur d'Andrea Pirlo et que les dirigeants étaient désormais prêts à écouter tout offre d'un grand club européen, précisant même que le Real de Madrid avait les préférences du Portugais de 36 ans. Et nous arrivons au terme de cette matinale du dimanche, que nous fermons donc avec la question du jour. La Juventus est-elle l'équipe qu'il faut à CR7? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport C pour ne rien manquer des informations autour du football.